Let's go, on va les appeler, on va leur demander si tout va bien. Ça va tout le monde? Ça va nous péter les oreilles. Ouais. Ouais. Oh putain. Mais pas trop à la fois les mecs, hein. Vous êtes... C'est la motivation là, ça se sent quand même. T'inquiète, ça va. Fais pas trop le Mario le Jumper autrement, hein, tu vois ce que je veux dire? Il y a un poste à jouer là. Ouais, il y a ton poste. Je te jure que en fonction de la qualité de ton truc, tu vas rester monteur de la Salty Academy ou pas, hein, voilà quoi. Allez, tryhardé, hein, please. Allez, have fun. Bisous, bisous. Mate. Remember it. Hop, hop, hop. Bah ouais. Oh le tueur. Il n'est pas un deuxième. Bomb located by attack. Quelle note pour le monteur. Vous avez mis beaucoup de 7 et encore plus de 8. Donc ça a donné une note à peu près à 7,75 en gros ce que vous avez mis, mais avec du 8. J'ai mis 7,5 du coup. Ça joue le Thatcher en plus, tu vois. Bon, c'est pas comme si voilà quoi. Et on l'a appelé sur le mur solo Geisha. Il a fait son taf. Voilà quoi. On va aller voir la H-Main. H-Main Lara Croft. Attendez, mais H elle a des drones dans le jeu? On va aller voir Matteo 31. Bon là c'est pas trop mal hein. Bon, c'est pas trop mal je veux dire, y a rien d'exceptionnel mais il fait son taf quoi. Et on s'est enfermé au niveau de la geisha, après si les mecs veulent pas jouer la geisha, ils jouent pas la geisha. On est spotted visiblement, il a dû voir un petit peu de notre corps. On attend ici, notre pote nous call normalement, j'espère que le diffuse est en cours. Là on manque de... Et du coup on est... Ah bon, le diffuse, etc. On se réveille. Et c'est dommage, parce que s'il avait... Tu vois, s'il avait voulu tenter un truc à un moment... Il y a un moment faut tenter un truc quoi, quand le plantage est en cours, c'est là qu'il faut agir quoi. On peut avoir l'impression comme ça que le joueur n'est pas fautif, mais il l'est en fait. Le fait de ne pas être greedy, hein, c'est une chose qui est très bien, tu vois. Pas être en train de courir dans tous les sens, etc. Comme moi, tu vois, faire de la merde, quoi. En être greedy. Mais il y a un moment, on peut pas non plus se mettre dans un trou de souris, quoi, tu vois. Tu peux pas non plus trop attendre, quoi. Il y a un moment, plantage de la bombe, etc. Il faut comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont aller, etc. 4. Pour les raisons qu'on a données. Ou que j'ai données. On va aller voir du monde qui fait du kill. Obscur, par exemple. On a entendu un shoot de vigile, en plus. Parfait. Tu peux la casser la radio là? Ça m'énerve. Ça me traite moi. Ça on le notera en revanche. Ça on le notera parce que il était parti pour mettre son crosshair placement pour une personne qui pouvait être loin du mur et derrière il flic. Mais le flic est méga propre. 15 seconds to go. Il avait son vigile, il était dans une logique de roaming. Le but du jeu, c'est de faire perdre la défense ou de faire des kills. Hein, si on doit faire une définition du roaming. Là, on a tout vu, en fait. Il fait effectivement perdre du temps. Plus derrière, il fait un kill. Plus il revient sur site parce qu'il y a ses potes qui sont en danger. Flick shot. Propre. 45 secondes pour noter. Je vais devoir baisser à cause de l'effet frag movie. On aurait pu aller chercher le dernier kill de façon beaucoup plus propre, je pense. Vous avez mis entre 7 et 8 avec beaucoup de 8. Et du coup, c'est ce que je disais. J'avais mis 8 au début. J'ai mis 7,5. Le pendo. Le pendo, du coup, tiens.
Oh, il a un charme de la Soldier Academy, donc déjà il a 8. Hein. C'est normal. Hein. Zéro drone, non? Il part en enquête, en enquête, il a pas envie de se faire chier et tout, machin, truc bidule. Ok, mais là j'aurais dit tryharder pour qu'on puisse noter réellement. Il y a zéro droning, quoi. Alors peut-être que son teammate lui dit, mais... Mais c'est pas ouf, quoi. Vous avez décidé de mettre la note de 1 pour IQ. On est connectés, les gars. Et les meufs. Fortnite. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin du jeu. Et Apex, qu'en penses-tu? Oh, on verra ça là. Nous ne sommes pas en mode discussion. Mais vous inquiétez pas. Mais énervé one tap. Mais énervé one tap. Mais ouais, en face ça joue bien. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est juste efficace. Dans Rainbow Six, faut être efficace. Il faut pas faire les plus beaux headshots, il faut juste être le plus beau des casse-couilles. Et voilà, et Blackie Obama. Et on va... Obama, merde. Obama. Let's go pour les lésions, du coup. Les petites prises de ligne sur le côté, on se donne pas, on vient faire chier, on laisse les gens pusher, et au moment où il faut, bam, on surgit sur la hache. Bam, on surgit sur l'autre. C'est quoi, Sledge ou Toucher, je crois. Je te mets un petit pré-shot. Si la tête, elle passe, si elle passe pas, viens me jouer, je t'attends. Je t'attends. Dans tous les cas, tu vas perdre. Dans tous les cas, tu vas perdre 5 secondes de plus. Hein. Et dans... ou autrement, de toute façon, tu vas devoir venir me jouer. Moi, j'ai pas besoin de bouger, mec. Je n'ai pas besoin de bouger. Blackie, 7,5 pour moi. Allez, Binks, c'est parti. Mais tu l'as vu? Ouais. Pokémon! Il va pas l'attraper celui-là. Mais c'était bien tenté. Oh, on va chercher. Oh, j'aime bien. On va chercher la petite nomade et tout. 27 ans, t'es super jeune. Ouais, je sais. T'inquiète, mec. Oula, oula, oula. Ouais. J'aime bien, mais. Ouais. Bah, il y avait des trucs qui étaient bien, mais... t'as pas un shotgun, quoi. Alors au début, on pourra noter le fait que, bon, bah, il s'est pas mal démerdé sur le fait de prendre un endroit qui est pas trop déconnant, on est à côté de la fenêtre, on fait pas trop de la merde, on entend un truc, on a envie de la jouer un petit peu sneaky, on n'est pas totalement agglutiné sur le bomb site, on est un peu délocalisé, mais on a la possibilité de revenir. La position du joueur Lésion par rapport à l'endroit où il était, pas déconnant du tout par rapport au bomb site, honnêtement. Légèrement, pas trop loin du site, mais voilà quoi. Et faire chier, faire sa petite poche de résistance. Derrière, il met une belle petite tête, il essaie de jouer avec la Pokéball, etc. On essaie même de venir se pencher pour prendre l'info sur la nomade, mais j'ai l'impression... Enfin, en face, si les mecs sont bons, ça va envoyer du gros pré-shot partout, quoi, tu vois. Donc ça manquait un petit peu. Et puis à la fin, là... Le mec était à 2 mètres, quoi, donc il y avait un problème avec le casque ou je sais pas quoi, quoi. Là, faut y aller, il aurait dû prendre la ligne, faire le kill sur l'anomale, balancer l'impact, et à partir de ce moment-là, là, c'est là que ça a été mauvais. Derrière, il vient prendre la ligne, ou alors il le laisse en se disant, ok, là, en face, il est à la ligne, mais c'est un escalier. Et donc, l'escalier pour l'attaquant, c'est pas facile, quoi. D'essayer de balancer de l'impact dans le truc, et d'essayer de venir finir son kill à la limite, ou de venir prendre un kill supplémentaire sur la personne qui se fait raise, tu vois. Donc, du coup, vous avez mis pas mal de 4 et surtout beaucoup de 5. En fait, vous avez mis 5, quoi. Et moi j'ai mis 4. Avec. On fait comment pour participer? C'est 1000€. 1000€. Chaque joueur a payé 1000€ là. Non, c'est point d'exclamation Discord. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas. Salty, mais pas que. Oh putain, j'ai cru qu'il allait défoncer le sledge. Air jab. Et escalier, ça marche pas trop mal ensemble, quoi. Voilà. C'est très basique, mais c'est pas dégueulasse si tu réfléchis bien sur pas mal de maps, quoi. Air jab et escalier, ça va souvent de pair.
Après, bon, pas tous les escaliers, pas tous les endroits, pas toutes les maps, etc. quoi. Et là, on est en fait échec total, quoi. Hein. On est en fait échec total. Total. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de droning, on balance un air-jab qui sert à rien, celui-là, pour le coup. Celui-là, on en est sûr. On va avoir un Jäger qui arrive et là, un air-jab en face de lui. Il y a de grandes chances, à mon avis, qu'ils se disent, tiens, le truc jaune qui ressemble à de la guimauve, là, je vais peut-être tirer dedans, quoi. On rate deux kills où on avait l'avantage. Dommage. On contrôle derrière. Bah tu vois, t'aurais pas besoin de contrôler derrière si t'avais mis un truc au niveau du drum ou de la porte que t'allais pusher. On sent que c'est pas mal, mais on va pas dans le détail, tu vois. Et je préfère des personnes qui sont lentes, mais qui s'appliquent. Et qui après rajoutent par-dessus ce layer de... Ils rajoutent une certaine rapidité. Que de commencer à faire de la merde. Je fais disparaître. Vous avez mis la note de 3 pour le joueur. Je suis désolé. Mais bon, j'ai mis 2. Ok, le petit pic est pas dégueulasse. Hein. On prend bien l'info. On n'a pas besoin de se donner. Le Mélusi est juste devant nous. Ok, on a vu que c'était un Blackbird. On a balancé un petit pré-shot. Et on sait qu'il est à gauche en revanche. Ouais, j'ai eu peur. Bien sûr, il va être là maintenant. Ça plante du coup. N'oublie pas d'envoyer tes lésions, ça le deny. Si c'est toujours le cas. Bon, le Blackbird est un peu aux fraises. Et d'ailleurs, on joue le diffuse direct. On va même pas se faire chier. On a compris qu'il y avait une possibilité que ça passe. Et ça passe. Voilà quoi. C'est très propre, très bien. Voilà. Franchement, très propre. Hein. Franchement, très propre. Hein. J'ai eu peur sur le... Quand il s'est replacé, il voit un Blackbird qui rentre et il redécale sur une même ligne. Alors que le Blackbird, clairement, il allait faire... Il pouvait passer sur sa gauche, quoi. Il fallait qu'il se replace, quoi. Après, le Blackbird fait de la merde. Hein. Le Blackbird qui pose la bombe est toujours... J'ai posé la bombe, je m'arrache. Alors que là, Blackbird, là où il était derrière le truc, là, il est royal. Vous avez mis entre 7 et 8. Bah franchement... Je suis monté jusqu'à 8. En fait. Parce que même si l'action était courte et que c'était pas le truc du siècle, il a fait, en notant l'action, c'était difficile de faire mieux quoi. Tu vois? En fonction de... En termes d'efficacité. Du coup... Voilà quoi. À chaque fois qu'on le voit, lui, il se fait un peu défendre. Oh bah ouais, ouais, ouais. Au moment où ça pète avec l'impact, il y a de grandes chances que le mec ait la ligne sur l'impact qui vient de balancer. Hein. Donc... Le jumper hein, qui continue. Hein. Ah, il est bon le monteur de la salty. Hein. Il est pas mauvais le petit monteur. Hein. On va le garder en montage, qu'est-ce que vous en pensez? Pop, pop, pop. Super game. Super game. Des belles notes, pas pour tout le monde. Du beau jeu. Et on commence à level up. Plus ça va aller. Plus ça va aller, plus ça va aller quoi. Voilà. Super game. Vraiment très très belle game. GG à eux. Si ça c'est pas beau.